Pourquoi t'es vénère là? 15h53, encore une heure de retard. Mais je faisais tes vidéos. Ça fait 3 mois, il m'a fait 3 vidéos et à chaque tournage une heure de retard. Dis quelque chose. Je sais pas, envoie-le, peut-être on va l'entraîner ici, ça va sur les épluchages et tout. Pommes de terre, ouais, carottes. Carottes, betteraves. Comment ça va Sam? Ça va très bien. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Restaurant Mazet que vous connaissez déjà. Merci de nous accueillir. Écoute Tesson, merci à toi, parce que nous, depuis qu'on a fait cette première vidéo ensemble, ouais, on a énormément de sportifs qui viennent toutes les semaines et de ta part. Et sincèrement, déjà en plus d'être des gens admirables, très sympathiques, et en général, ils sont toujours très, très satisfaits du service qu'on leur donne. Et franchement, pour moi, c'est une aubaine pour moi, c'est un plaisir de les servir toujours. Donc merci à toi, franchement. Bah écoute, c'est... Déjà, il n'y a pas de merci entre nous, ouais, mais c'est à moi de te remercier. C'est vrai qu'à chaque fois que des clients viennent de ma part, que ce soit par le biais des vidéos ou les stories que je mets sur Instagram, parce que c'est comme ma deuxième maison, tu sais, ouais, que je mange souvent ici, ouais, bah, les gens ils viennent, après ils m'envoient un message et à chaque fois ils sont très satisfaits du service, que ce soit toi, Cheyenne, ta femme ou le personnel. Donc toujours au petit soin, vous offrez un petit thé, un dessert de ma part en plus, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Merci vraiment. Et en plus, voilà, le restaurant Mazet, tu n'as pas besoin de publicité, tu n'as pas besoin de moi pour faire venir les clients. C'est une maison qui est là depuis 30 ans. Monsieur Tavassoli, ton père, okay, ouais, qui a fondé cette maison, un homme pour qui j'ai énormément de respect, de considération, un homme vraiment admirable, qui a vraiment beaucoup travaillé. Et ensuite, bah, c'est toi qui a repris le restaurant avec ton style et ça continue à cartonner. Et c'est aussi ça en fait. Quand on est passionné par quelque chose, quand on fait un travail, quand on est sûr de soi, de ce qu'on fait, c'est une question de temps. Avant que ça cartonne, il faut être patient, il faut laisser le temps au temps, faire le travail, faire de mieux qu'on peut, avoir la foi et ça marche tout seul. Donc c'est nous qui te remercions, toi, ta femme Cheyenne et aussi ton père, Monsieur Tavassoli, à qui je dis bonjour. Super, ben merci. Écoute, le message que tu dis, il est très beau parce que c'est vrai que quand tu mets la passion dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, que ce soit dans le sport, dans ton métier, dans ta passion, ça réussira à un moment et il faut juste continuer et ça marchera. Donc très beau message je trouve. Merci Sam. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelle recette tu nous prépares? Donc c'est les périodes de fêtes de fin d'année. Donc d'accord, on va essayer de faire un plat de fête diététique. Iranien? Ah ben, bon, attends. Oh, en base. Ah, toujours. Mais on va quand même, tu vas me permettre de tricher un petit peu quand même sur les fêtes de fin d'année. On peut faire. Et puis je vais vous apprendre des techniques de cuisson vraiment gastronomiques. Vraiment. Là, je vais vous faire un poulet. Vraiment, qu'on va rapporter des techniques de cuisson françaises. Et tu vas voir, ça va être une tuerie. Bah écoute, je suis prêt. T'es pas en tenue là, mon pote? Il faut se mettre en tenue de cuisinier pour aller faire la cuisine. T'as ce qu'il faut pour moi. Allez, on y va. Et ça m'en essaie en plus. Ouais. Mais tu m'as fait une surprise. Bah, petite surprise, normal, il faut faire les choses en grand, non? Pour une vidéo Mazet, ça faisait longtemps là, il faut qu'on fasse les choses en grand. J'aime beaucoup. Et sincèrement, je ne sais pas ce que vous dites, ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous regardez les émissions américaines new-yorkaises, les chefs méga stars new-yorkais. On dirait pas un chef méga star, franchement, ça te va trop bien. On dirait que tu es fait pour ça, hein, sincèrement. C'est vrai? Mais ouais, pour faire, voilà, franchement, super. Bah, excuse-moi, juste, est-ce que tu m'as donné un tenue comme ça juste pour que je regarde ou tu vas me donner des tâches à... Tu verras, juste au passage, son frère il s'occupe de moi à la salle et parfois les gens de la salle ils le voient, c'est très très dur. Faut bien que je fasse payer quelqu'un pour ça quand même. En fait tu vas te venger de Payman, mais... Venger c'est un grand mot mais ça, c'est proche. Ok, mais j'aime bien les défis et j'aime bien la cuisine. Donc super. C'est parti. Qu'est-ce que je suis gosse beau comme ça? Je suis un mélange de maître arts martiaux et un cuisinier. Exactement, sincèrement. Tu devrais t'entraîner à la salle, non? Ah, je devrais mettre ça à l'entraînement. Ouais, ça peut être franchement, sympa. C'est magnifique. Alors Sam, explique-nous déjà comment ça s'appelle, le repas que tu vas faire, quel ingrédient que tu as utilisé pour commencer déjà. Alors, on va faire en entrée, on va faire le Mizrar Semi. Le Mizrar Semi, c'est un caviar d'aubergine. C'est une entrée qui vient du nord de l'Iran. C'est un caviar d'aubergine avec de tomates et de l'ail et qui se mange souvent avec des œufs.
Voilà. D'accord. Donc nous, on va faire une manière un peu diététique et un peu gastronomique. Voilà. Ok, donc ça s'appelle Milzara, Sami. Désolé, le nom, il est un peu bizarre, mais bon. Ouais, mais bon. Alors, caviar d'aubergine aussi, on peut dire. Ça passe, on comprendrait. Ok, d'accord. Et ensuite, en plat principal, donc, on a un plat très célèbre qui s'appelle le Albalupolomor. Donc, c'est du poulet qui est cuit avec du safran dans un bouillon et qui est servi avec un riz au griotte. Riz au griotte, un des riz, un des famous riz qu'on a en Iran, franchement, qui est vraiment délicieux. Vraiment. Et donc c'est ça la petite triche en fait. C'est vrai qu'il y a des griottes. La griotte, c'est une confiture. Bon, c'est Noël quoi. Enfin, Noël, ouais, on peut se permettre un peu de. Après, voilà, on fera un petit jogging après. Voilà. On fera un petit jogging. Donc ça, et est-ce qu'il y a. Ça, c'est le plat donc. Le plat principal, exactement. Le plat principal. Donc le poulet avec le riz au griotte, en sachant que. Là, vraiment la nouveauté que je vais apporter, parce que je voulais pas en faire un classique, je vais vous montrer une technique de cuisson qui est juste exceptionnelle. Certes, un peu difficile à faire chez soi, pour les plus courageux ils pourront, mais je vous donnerai des alternatives. Mais celle que je vais faire là, c'est pour vous, quand même, pour vous appreniez une technique de donc, cuisson. Donc à chaque fois, tu vas nous donner aussi des techniques pour ceux qui veulent préparer chez eux, mais qui n'ont pas forcément... Bien entendu, bien entendu, bien entendu. D'accord. Et moi dans tout ça, est-ce que tu... Alors, je vais te donner à faire du travail aussi, mais on va faire des choses, voilà, parce que même si tu as l'air d'être vraiment le top du top en chef de cuisine... Ah, moi, je vais découper le poulet et puis toi, tu le mettras à mariner. Par exemple, les aubergines, tu vas les éplucher, après on les mettra en cuisson ensemble. Tu vas faire... Moi, je suis un grand cuisinier. Dieu seul sait qu'à chaque fois que j'invite une fille à la maison, je me fais livrer par un restaurant mazé, je salis 2-3 casseroles et je dis c'est moi qui ai fait. Il me demande mes épluchures pour les mettre dans sa poubelle, comme ça il prouve. Il fait regarde, c'est moi qui ai fait. La fin justifie les moyens et c'est comme ça. Le plus important, c'est l'attention. Alors, donc par quoi on commence? Je pense qu'on va commencer par le plus long, c'est le poulet. Okay. C'est toujours comme ça dans la cuisine, on commence par les éléments les plus longs et donc on va mettre ça en cuisson. Comme ça après on est tranquille et on peut faire tout le reste. Donc on a un poulet entier. Voilà. D'accord, poulet fermier bien sûr. Voilà, exactement. Et c'est ça, c'est ce que je conseille toujours de prendre. C'est deux fois plus coûteux, c'est vrai. Donc après, quand on a les moyens, on peut se le permettre. Ou pour Noël quand même, il faut pouvoir faire ce petit effort, même si c'est compliqué. Prenez du poulet fermier, franchement, c'est beaucoup mieux. Il est bien élevé, il a bien été nourri. Et franchement, c'est vraiment meilleur pour la santé. D'accord, donc lui, il est bien élevé, il est à l'heure. Il a de bons parents, voilà, c'est ça. Ok, donc, c'est un poulet bien élevé qui est toujours à l'heure. Hein? Exactement, il est toujours à l'heure. Donc, contrairement à Sam, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Je voulais pas dire ça. Mais bon, maintenant, puisque tu le dis. Ok, donc, le poulet fermier bien élevé, toujours à l'heure. Ouais. Donc ça, on va commencer par ça. Alors, ce qu'on va faire, donc, cette technique de cuisson dont je te parlais, elle est vachement utilisée dans les restaurants gastronomiques, en fait, dans les étoilés, comme on est obligé de vous donner une cuisson parfaite, on utilise cette technique, c'est la cuisson basse température. Vous avez sûrement déjà entendu. Elle est faite justement pour ne pas que la chair soit agressée et pour que vous êtes sûr d'avoir une cuisson parfaite. La seule chose, c'est selon la viande que vous prenez, parce que vous pouvez le faire avec tout, avec un rôti, du bœuf, du veau, etc. C'est de voir selon la viande que vous prenez, quel est le temps de cuisson et la température. Voilà. Donc cette cuisson, c'est la cuisson qui est utilisée dans les restaurants gastronomiques. Exactement, c'est ça. Il ne faut pas oublier que Sam, il a déjà travaillé Moi, j'étais formé, donc j'ai fait l'école Ferrandi. Et puis avant de venir avec mon père, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les étoiles Michelin. Et donc, c'est pour ça que j'ai appris ces techniques de cuisson. Donc voilà, donc il n'a pas choisi la facilité. Mon père, il a un restaurant, donc je vais directement. Donc il a fait ses preuves. Ensuite, il a intégré... la maison familiale. Donc comment on fait pour couper le poulet? Donc alors les cuisses, on va pas en avoir besoin, vous les gardez pour un autre repas, on va utiliser que le blanc. Donc là on va retirer les cuisses. Hop. C'est important alors, comment on coupe. Ouais, alors c'est pour ça que je voulais pas que tu le fasses ça, parce qu'il est très aiguisé le couteau et j'ai pas envie que je veux que tu puisses pousser de la fonte quand même. D'accord, voilà, donc, je veux bien essayer quand même. Hein. Voilà, okay. Tu veux enlever la cuisse, l'autre cuisse? Bien sûr. Vas-y, je te laisse faire. Ok. Donc on enlève les cuisses. Donc, bon, j'ai lavé mes mains. Ok, donc je mets ça comme ça. Ouais. Il y a un endroit pour couper, on est d'accord. C'est ça, ouais. Donc il y a un endroit pour couper, tu me dis si... Ouais, voilà, c'est bien. Maintenant que tu as coupé ça, coupe encore un peu ici, là. Ouais. Voilà, et après c'est bon, ça se fait tout seul avec la main. D'accord, ok, donc je fais ça. Tu casses et après tu mets ton couteau juste dans la jointure. Par contre, regarde, c'est vrai que, je vous le dis, mais je ne l'ai pas fait, mais il ne faut jamais oublier le solilès qui est juste là. Hein, on l'appelle le solilès parce que le seau donc, que j'ai été juste avant, il l'a oublié. Il faut toujours l'enlever. Mais après, on réutilisera, nous, la carcasse, on va la réutiliser. Donc ça, en fait, quand je coupe avec le couteau, il faut l'enlever. Ouais, il faut l'enlever juste. Donc je mets ça comme ça. Voilà. Je fais attention à mes doigts. Voilà, mais là, ça va, là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Et après, voilà. Je coupe. Voilà, tu coupes, voilà.
Parfait, ok. Voilà, donc ça, tu mets ça juste là. Bon, voilà, pour vous dire, le sol, il laisse. D'ailleurs, c'est une des parties la meilleure du poulet. Hein. Franchement, il est juste là. Et franchement, c'est vraiment délicieux. Ça, vous pouvez même les récupérer. Vous retirez la peau et puis vous faites un petit, voilà, un petit fricassé avec. C'est vraiment excellent. Voilà. Donc, ça, on l'a. Donc, notre coffre qui est là. Donc, on met un petit coup de couteau ici. Okay. Et ensuite, on va prendre le ciseau. Et on va aller couper. Tac. Juste là, pour aller récupérer vraiment que le blanc. Voilà, t'as vu, c'est facile pour l'instant. Hein. C'est très facile. C'est très facile. Voilà. C'est facile parce que tu connais, oui. Voilà, hop là, on fait ça. On coupe ici. Voilà, c'est parfait. Et puis après, bon, on va garder les ailerons. Voilà, voilà, hop. Ça, tout ça, je vais vous expliquer, il n'y a rien qui se jette. On va tout le temps, hop. Voilà. Rien n'est à jeter. Avec ça, vous pouvez casser la carcasse et vous faire un petit jus de volaille avec. Après, faire une petite soupe, vous pouvez faire des sauces. Vous pouvez mettre ça à cuire avec vos cuisses de poulet. Et puis, vraiment, il ne faut rien jeter dans les aliments. On peut tout réutiliser. Pour commencer, ouais. Donc, on va prendre le poulet. On va enlever les cuisses. Exactement. D'accord. Et on va essayer de récupérer le blanc. Le blanc sur le coffre, c'est très important. Sinon, sur le coffre. Voilà. Donc ça s'appelle le coffre. Exactement. Ça, le blanc sur le coffre, pourquoi? Parce que, en fait, si tu enlèves complètement ton blanc, c'est là où il sèche. Je sais que vous avez tous ce problème-là. Que quand vous faites un blanc de poulet, ça sèche vite. En fait, ne serait-ce que si vous le cuisez comme ça, même sans la basse température dont je vous parle, juste mettez-le au four comme ça, vous allez voir que votre blanc, il va être juteux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est collé au coffre et donc la saisie, elle n'est pas agressée, la viande dedans. Elle est cuite dans un seul morceau, en fait. C'est comme si quand tu prends un steak et que tu cuis un steak comme ça et que tu le fais revenir des deux côtés, il va être plus sec que si tu le fais dans un rôti et que tu prends un morceau du milieu du rôti. Et là, c'est pareil, en fait. Le coffre va permettre de garder tout le jus à l'intérieur et donc de ne pas agresser la viande par le dessous. Et c'est ça qui va faire que ton poulet va être très tendre. Magnifique. Donc, voilà. Une fois, on a... si tu veux, on a récupéré le blanc avec le coffre. Ouais. D'accord. Donc ça, on met de côté. Ça, non, on va le mettre en cuisson maintenant. Ah, on va. Donc, il faut juste que j'aille chercher un petit sac sous vide. Ok. Donc, je vais essayer pour voir. Parce qu'en fait, vous savez que moi, quand j'étais jeune, avant, la vie, elle était difficile. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un grec. Je veux voir. Parce qu'on enlevait la peau. Ah ouais. Donc, je vais vous apprendre comment on enlève la peau. Donc, si vous avez ça à la maison, donc on fait ça comme ça. Voilà. Après, ça, pour que ça glisse pas, tu prends avec ça et t'enlèves la peau. Magnifique, franchement. Ça, c'est à l'iranienne. Hein, non, ça, c'est pas à l'iranienne. Ça, frère, ça laisse tomber que des salades, tomates, oignons, je faisais quand j'avais. Magnifique, ça, c'est du beau, c'est bien fait. Ouais, et t'as vu ça. Franchement, c'est beau. C'est beau, franchement bravo. Ok, alors, donc maintenant. Donc, vas-y. Donc, monsieur, c'est à vous, s'il vous plaît. C'est à moi, ok. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas me mariner le poulet. Donc, sel, donc. Vas-y, tu mets des bonnes poignées, mets 2-3 bonnes poignées de sel, parce que là, comme ça. Voilà, faut que ce soit bien assaisonné. 2, 3. Très bien, waouh, magnifique. Normalement, c'est du gros sel, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Jus de citron, frais. Alors, jus de citron frais, attention les gars. Tout ça, est frais ici. Ça, c'est éliminatoire. Hein. Tout est frais ici. Voilà, d'ailleurs, t'as pas froid? Parce qu'il y a un mec frais à côté de toi? Si, trop, mais okay. Là, mais on a le grill qui est juste là, donc ça va, ça compense. Même si... Donc, jus de citron frais. C'est toi qui as fait ça? Ouais, c'est nous qui l'avons pressé. On presse tous les jours une bouteille de jus de citron pour mettre dans toutes nos préparations. D'accord, ok. Donc, ça, je le prends, c'est quoi la dose? Il faut mettre à peu près 3 cuillères à soupe. Alors, ça, c'est une petite cuillère, donc mets-en 4. Donc, 4, voilà. Une. Bon, là j'ai 3. Mis 2,5 on va dire. Voilà. 4. Non, mais c'est bon. Eh, sincèrement, le jus de citron ça donne du goût. Donc c'est pas grave si vous en mettez plus. Donc jus de citron. Voilà. Comment on presse ça? Ça, alors nous, comme on en fait énormément, on a une petite machine à presser comme tout le monde a pour le steak. Vous buvez du jus d'orange, vous en faites. Mais voilà, il faut le presser donc avec ou soit une machine, soit à la main avec un pressoir tout simplement. Parfait. Mais si vous en utilisez pas beaucoup, voilà, faites-le à la main, c'est bon. Ok, donc j'ai mis 3-4 pincées de sel. Voilà. 4 cuillères à soupe. Jus de citron frais, en plus l'oignon. Allez l'oignon, alors on va voir si tu connais les termes. Tu vas me l'émincer l'oignon. Émincer. On va voir s'il connaît. En tant qu'iranien, on sait tous. Ok, on va l'émincer. Voilà. Frère, si tu savais le... Fais gaffe.
parce qu'avec les gants c'est plus dur. Ah hey, mais il cache bien son jeu hein, franchement. Hein. Ah, ouais, ça c'est. Mais... Hey, franchement. Franchement, c'est un geste de cuisinier, hein, bravo. Et ça, une chef kebabier. Ouais, alors, combien? Bon, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Ouais. On va dire un quart d'oignon. Est-ce que ça aussi je coupe ou c'est non, pas non, la non, peine? Non, c'est bon, c'est pas la peine. Okay, tu le mets dedans. Donc, je mets ça dedans. Voilà. Safran, donc, alors le safran, on répète un peu comment on le faisait. Donc, si vous avez des safrans en pistil, on prend le safran, on le réduit en poudre et on met de l'eau bouillante pour le diluer. Et ça donne ce liquide pour pouvoir utiliser. Une question, le safran c'est un produit iranien, donc comment les gens ils peuvent acheter? Bon, si vous êtes sur Paris, il y a une épicerie qui s'appelle Eskan qui est juste en face du restaurant Mazé, mais pour ceux qui ne sont pas à Paris, comment on peut faire? Sincèrement, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les épiceries ultra chic pour en acheter, même dans les supermarchés ils en vendent, vous pouvez acheter au gramme, donc même Carrefour, les Monoprix, tous les supermarchés. Un conseil pour la qualité? Bah, si vous venez chez notre épicier Escon, c'est sûr que là vous avez du top iranien, mais en général les supermarchés on peut pas tricher, et eux aussi quand même ils ont de la qualité. Il faut voir en fait sur l'étiquette tout simplement, c'est facile. Hein. Et comment on prépare ça? Donc comme j'ai dit, vous réduisez en poudre et vous mettez de l'eau bouillante dessus. Donc on va dire pour une demi-cuillère à soupe à café de safran, il faut mettre on va dire 2 cuillères à soupe d'eau bouillante. D'accord. Quand c'est pulvérisé. On laisse. Voilà, et après voilà, et après vous avez ce liquide, voilà. D'accord. Et puis ça vous pouvez le conserver au moins un mois au frigo. Hein. Parfait. Et donc c'est ça qui donne le meilleur parfum du safran. Donc combien j'en mets? Alors là, on va reprendre la petite cuillère et okay. Mets-moi une bonne cuillère à soupe bien remplie, voire 2 petites. Mais sinon si elle est bien remplie, t'en mets une. Là, c'est bon comme ça? Ouais. C'est parfait. C'est pas la peine d'en mettre plus. Parce que sinon ça devient amer. Donc c'est important de mettre des gants parce que voilà, quand vous utilisez vraiment du vrai safran, ça peut vous tâcher. Là, voilà, exactement. Vous avez du vernis. On a du vernis. Donc voilà. Ça je mélange. Voilà, c'est parfait. Tu mélanges. Et puis après, tu finis avec l'huile d'olive. Ok. Voilà. Donc l'huile d'olive c'est bon, hein, ça franchement pour. C'est parfait. On va dire combien pour ça, c'est pour 2 personnes. Donc. On met 2 cuillères. Allez, 2 cuillères parce qu'il y en aura un peu pour le caviar d'aubergine aussi. Ok. 1 et 2. Voilà, super. Parfait. Alors maintenant. Donc ça, ça c'est bon. Je mélange. Maintenant tu prends ton poulet, tu me le mets dedans et puis tu le caresses comme si je suis sûr que ça va être un de tes points forts. Ah, tu le caresses comme là. Tu me ça. Fais voilà, comme si tu voilà c'est tout ton love. Ce qui est c'est ta, tout, tu vois c'est ta, tout ce ta, qui est voilà. Caresserie. Voilà. C'est ça. Tout ce qui est porté de l'affection, voilà, de l'amour. Voilà, porte-lui de l'amour. Ah, ça, frère. Les produits, ce qu'on va manger, si vous leur portez de l'amour, ils vous le rendront. Vous allez bien manger. Bien sûr. Voilà, c'est magnifique. Donc, Monsieur Tabassoli, si vous voyez cette vidéo, donc je suis sûr que vous allez voir cette vidéo. S'il y a une petite place au sein de votre restaurant, bah, je postule. Je mettrai ton CV en haut de la file. C'est vrai? Ouais. D'accord, merci beaucoup. Ok, donc est-ce que ça, c'est pas la peine de trop toucher quoi? Tu non, mets... c'est bon, faut juste qu'il soit bien mariné. Alors, sincèrement, nous, on va le mettre tout de suite. Le fait de le. Alors voilà, donc sous vide, je m'explique. Sous vide, c'est quoi? Donc, c'est. On va mettre le poulet dans ce plastique et on va faire enlever l'air de ce plastique et il va se sceller. D'accord, il y a une machine pour ça dans les restaurants, mais même aujourd'hui, on peut même l'avoir chez soi, franchement. On peut même acheter des machines sous vide pour chez soi. Ça change quoi en fait? Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, on peut conserver les choses beaucoup plus longtemps. Ça veut dire qu'une viande que tu vas mettre sous vide, au lieu de la garder 2 jours, tu vas la garder 5 jours. Ça, c'est la première utilité, c'est la conservation. La deuxième chose, c'est que quand ce poulet, tu vas le mettre sous vide, toute l'air va partir, donc il ne restera plus que ton poulet avec ton safran, tes oignons, ton huile d'olive, ton citron. Et donc tout ça, si tu le laisses pendant par exemple une journée au frigo, tout ça, ça va imprégner, ça va rentrer dans la chair. D'accord. Et donc ça va donner du goût à ta viande. Sincèrement, okay, le sous vide, c'est magnifique. D'accord. Et donc voilà. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Pour ceux qui ont suivi les anciennes vidéos, quand tu fais le djudjé avec le poulet au safran, tu as rajouté du yaourt 0%. Pourquoi ici tu n'en rajoutes pas? Parce que l'autre, c'était pour griller. On allait le griller. D'accord. Là, en fait, voilà, c'est pas comme si tu mettais pas le yaourt, on pouvait aussi le faire sans yaourt pour le griller. D'accord. Mais le yaourt, ça attendrit la viande pour la cuisson au grill. Là, vous allez voir que ça va être une cuisson totalement différente. Là, okay, on va le mettre sous vide et on va le cuire à la vapeur. Magnifique. Donc voilà, pas la peine de mettre du yaourt. Après, comme je dis, si vous mettez le yaourt, ça va pas non plus gâcher la recette, mais il vaut mieux ne pas le mettre. Donc en fait, là, je vais mettre. Voilà. Alors attention, pour remplir un sac sous vide, toujours, on prend les bords. Et on les retrousse parce que pour la fermeture, il faut vraiment pas que les bords soient sales. Parce que sinon, là, ça va mal se sceller et la recette, elle est ratée.
Okay. Donc voilà. Donc, et puis ensuite, voilà, et après tu le mets là-dedans. Parfait, magnifique. On dirait qu'il a fait ça. Ouais, franchement, tu l'as déjà fait? Non, je te jure. Tu me la faire à l'envers là? Pas du tout, pas du tout. Mais sérieux? Quelle que soit la chose que vous faites dans la vie, il faut mettre de l'attention. Parfait. Il faut mettre tout le jus, tous les oignons, tous les dents, tout ça. D'accord. C'est très important. Voilà. Super. Donc voilà, ça c'est bon. On est bien. Petite anecdote. Tu sais, quand je travaillais dans un grec, c'est comme ça en fait que ma vie a décollé, c'est vrai. C'est qu'en fait, on était plusieurs et dans ma façon de couper la viande, quand par exemple les gens ils demandaient salade, tomate, oignon, je les mélangeais pas. Je mettais la salade, la tomate, oignon, les sauces, je les mélangeais pas. Je faisais un dessin. Ouais. Même le pita, je le roulais d'une manière différente. Et là, en fait, il y avait un client qui venait souvent nous rendre visite. Et en fait, un jour, il est venu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, en fait, il m'a sorti de là, il m'a donné une chance et j'ai commencé à travailler dans des tapis persans. Donc, quelle que soit la chose que vous faites, il faut le faire bien, il faut le faire différemment, il faut toujours vous différencier des autres. Ok, bon, après. Alors maintenant, si vous le permettez, on va aller en bas en cuisine pour le mettre sous vide. Ça prend une minute. Ok. En train de retirer tout l'air qu'il y a dedans. Voilà, vous avez vu. Une machine sous vide, voilà. Ok Sam, donc là on a mis notre blanc de poulet sous vide. Pour ceux qui n'ont pas cette machine professionnelle chez eux, comment on fait? Mais écoute, il faut faire à l'ancienne, à l'iranienne, comme nos grands-mères faisaient. On fait exactement la même chose, sauf qu'on le met dans une casserole, on couvre avec de l'eau, des oignons, le safran, le citron, le sel, et on laisse cuire pendant une heure tout doucement. Voilà. En faisant cette technique, en fait, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème de cuisson avec la casserole. Il faut juste surveiller, mais c'est ce que tout le monde fait. Le commun des mortels, c'est ce qu'il fait. Voilà, donc c'est parfait. Donc là, nous, on va faire quoi ici? Donc là, nous, on va le mettre donc dans notre four vapeur et on va le cuire à 70 degrés pendant 2 heures. Pour les photos que vous allez nous faire, voilà, faites-le à la casserole comme on a dit. Mais en fait, le fait de le faire à la vapeur, la cuisson va être juste. Faut essayer une fois. Donc, soit vous avez four à vapeur chez vous et vous faites ça pendant 2 heures. 70 degrés. Soit vous en avez pas chez vous et vous mettez tout dans une casserole, faux doux, et pendant une heure. Voilà, avec tous les ingrédients. Exactement. Parfait. Allez, je vais mettre ça à cuire, je reviens. Parfait. Donc, là, on a mis notre poulet au four, 70 degrés pendant 2 heures, et on va faire le riz. On va pas montrer comment on fait le riz, on l'a déjà fait. Ouais. Sam, est-ce que tu pourras mettre le lien de la vidéo dans la description? Oui. Donc, après ça. Alors, donc là, aujourd'hui, on va vous montrer un nouveau riz. On vous avait fait le riz classique, au safran. On vous avait fait le riz aux herbes. Oui. On avait fait le riz avec le zelechk, avec les ananas. Les ananas. Voilà, le riz. Comment on dit zelechk en français? Épine vinette. Okay. Alors, maintenant, on va vous montrer ce fameux riz qui est vraiment un riz dont on est très fiers, nous, les Iraniens. Donc, c'est le riz aux griottes. Épargnez-vous de faire la confiture de griottes. Franchement, ceux qui le font, un chapeau, il y aura des points en plus. Est-ce que tu es aussi romantique avec ta femme? Encore plus. Ah, quel séducteur celui-là. J'ai trouvé pire comment. Ok, donc comment... Le salaud. Voilà, confiture de griottes, rapidement, vite fait, je donne une petite recette simple. Si vous arrivez à prendre des griottes, pas besoin de vous embêter à prendre des griottes fraîches. Prenez des griottes congelées, elles sont super bien. Vous les laissez au sucre pendant quelques heures. Ça, vous pouvez les acheter à Picard. Ils vendent des griottes surgelées à Picard. Ou si vous en trouvez des fraîches, encore mieux, mais il faut les dénoyauter et tout. Je ne vais pas vous aller jusque là. Donc, un peu de sucre sur ces griottes. Quand elles ont rendu leur jus, vous les mettez, en cuisson très simple. Excuse-moi, là tu parles un peu mandarin. Ouais. Enlever le jus, sache que nous, ceux qui font du sport, les mecs, ils ont pas le time. D'accord. Donc, non, mais en fait, sucre, combien de grammes on fait, comment on enlève le jus. D'accord. Voilà, donc prenez, par exemple, on va dire 200 grammes de griottes. 200 grammes de griottes. Vous y mettez 3 cuillères à soupe de sucre blanc, quoi, en poudre. D'accord. Et ensuite, vous le laissez pendant 2 heures. Dehors. Vous allez voir que la griotte, elle va rendre du jus en fait, elle va dégager son jus. Parfait. Et en fait, ce mélange-là, vous le mettez vraiment en cuisson, vous le laissez bouillir, vous les mettez au feu et vous mettez bouillir 5 minutes à peine. Il ne faut pas que les griottes, elles soient trop confites, il faut qu'elles restent un petit peu croquantes. Après, vous avez cette confiture de griotte. Donc, le riz aux griottes, il n'y a rien de plus simple. Vous avez le riz blanc que vous avez cuit préalablement. Alors, ça, nous, on l'a cuit à l'avance, mais vous pouvez soit l'avoir fait la veille, soit instantanément. Vous avez cuit votre riz, il est prêt, voilà. Donc, on prend une casserole. De préférence anti-adhésive.
On met un tout petit peu d'huile pour que ça colle pas. Bon, pour ceux qui sont pas, bon, j'en ai mis un petit peu plus, mais sincèrement, pour ceux qui sont pas diète, mettez la dose d'huile. Hein. C'est ça qui va faire que ça va pas coller. Ouais. Mais bon, ceux qui sont en diète, la recette se fait aussi avec pas trop d'huile. D'accord. Donc on prend du riz. Donc toi, t'es censé en diète aussi. Ouais. Hein. Non, c'est juste un petit informatif parce que parfois il vient au restaurant, il vient en surprise et toujours il vient à l'heure du déjeuner quoi. Et donc moi j'ai fait mon service, j'ai faim et tout, je me fais un bon plat à manger et là je le vois avec Payman arriver. Il faut voir le bon plat. C'est dingue. Il faut voir le bon plat. C'est même lui il sait plus quoi dire quand je le. Alors les amis, la technique du riz aux griottes, on met du riz au fond. On prend la confiture de griotte et on essaie de ne pas mettre trop de jus, mais il en faut quand même. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne les goûte pas exprès, parce qu'il faut quand même un peu de jus, et on met un petit tas de griotte au milieu. Et là, sincèrement, Esson, ça dépend au goût. Il y en a qui aiment avec beaucoup de griotte, il y en a qui ne veulent pas trop de griotte. Donc si vous ne mettez pas trop de griotte, rajoutez un tout petit peu de jus, pour quand même que ce soit joli. Mais l'idée, c'est de ne pas le mélanger. C'est pas le mélanger. D'accord, donc voilà. On le mélange pas. Alors, on le mélange pas et ensuite donc on met notre riz, après on met les griottes. Et on remet du riz en dessus, un peu en pyramide. Voilà. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, on le laisse un peu comme ça. Pam, 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 pam. Et ensuite, on prend. Donc là j'ai choisi une poêle, donc ça va être un aluminium. Ou si vous avez une casserole, vous pouvez mettre un couvercle. Mais donc là j'ai choisi une poêle, donc on va mettre de l'aluminium. Et on va le cuire pendant 45 minutes à feu doux. Tu peux mettre en cuisson ? Là ? Ouais, parfait. Tu remarqueras que j'ai pas mis de torchon, parce que je sais pas si tu te souviens ce qui s'était passé, on a failli cramer le restaurant ensemble sur une vidéo précédente. Exactement. Donc je me suis dit, on va prendre nos précautions là et on va mettre un petit chalumeau. Jamais refaire une erreur une deuxième fois. Exactement. C'est impardonnable. Voilà, donc ça le poulet est en cuisson, le poulet est en cuisson, le riz est en cuisson. Et là, on peut passer à l'entrée. L'entrée, voilà. Ok. C'est parti. Donc ça, ça fait partie des entrées au restaurant Mazé. Là, vous avez des côtelettes, poulet. Pommes de terre, petits pois, viande, pommes de terre, ça s'appelle chami, c'est du poulet ou de la viande, je pense que c'est de la viande avec des lentilles. Et là c'est koukou sabzi, c'est une omelette aux herbes qui est vraiment fantastique. Donc si vous venez au restaurant Mazé, essayez de goûter ces entrées, c'est vraiment magnifique. Donc alors enlève d'abord la petite tête de l'aubergine. Est-ce que la petite tête de l'aubergine, on la coupe comme ça ou on l'enlève non, on le coupe là parce que sinon parce qu'il va falloir. Voilà, bon, comme ça. Oui, tu pouvais couper un petit peu moins, mais c'est pas grave, ça va. Ok, pardon. Voilà, ça c'est bon. Donc on prend cette petite poubelle. Voilà, allez, vas-y. Fais gaffe parce que l'économie aussi c'est traître, hein. Tu peux te couper avec ça. Voilà. Là tu mets tes épluchures là-dedans. Voilà. Waouh. C'est toujours avec délicatesse. Regarde, en plus c'est méthodique, t'as vu ? C'est méthodique, t'as vu ? Franchement, ça se voit qu'il est quand même, il calcule tout là. Là il est en train de réfléchir. Et moi je dis rien. Il kiffe là en vrai. Ah ouais, moi je dis rien, je fais. Voilà, tu vois. Ah mais voilà, franchement. Voilà. Magnifique. Voilà. Et on sait jamais, hein. Demain le fitness et je coule. Moi je fais propre de bonne image. Je peux toujours postuler au restaurant Mazé, tu vois. Il faut toujours laisser une bonne image derrière soi. Ok. Voilà, parfait. Alors, alors maintenant, l'idée, c'est que tu mets un coup de couteau au milieu. Un coup de couteau au milieu, voilà. Donc. Fais gaffe à tes doigts. T'inquiète, voilà. Même pas. Voilà. Ok. Et ensuite, tu vas me couper ça en trois gros morceaux. Trois gros morceaux. Voilà. Super. Ok, donc. Magnifique. Parfait. Tu me mets ça dans la casserole. Tomate. Alors tomate, tu prends, tu enlèves le pédoncule. Alors ouais, voilà. Parfait, waouh. Quel... Ah c'est vrai qu'il est en kiff là. Ah je t'ai dit, mais vraiment si tu veux, viens une fois par semaine. Non mais je suis en kiff de ouf. Voilà, tu coupes en quatre. Moi on m'a toujours dit, tu veux séduire les femmes, tu leur fais rire et tu leur fais à manger. C'est vrai. Donc moi je leur fais rire et je leur fais à manger, mais ça marche jamais. Ok, donc comment on fait après? Alors tu coupes les deux. Au milieu? Ouais, au milieu et tu recoupes encore en deux. Magnifique, waouh. Ok. Super. Parfait, on est bon. Donc tu mets les tomates dedans aussi. Et ensuite tu vas me prendre l'oignon. Ok. Voilà, tiens. On avait un demi-oignon, mais c'est pas grave. Voilà. Donc tu me mets... La moitié. Ouais, non, même pas, le quart. Le quart. Voilà, non mais c'est pas grave, coupe en deux. Et ensuite tu recoupes en deux. Et après, ce morceau-là, tu me le coupes en trois. En trois. Voilà. Non, t'en mets pas. Ouais, ok. Mais tu vois, tu pouvais faire aussi comme ça, parce qu'on va tout mixer après. Ok. Parfait. Tu me mets ça là-dedans.
Et ensuite, donc l'idée, et voilà, et c'est là en fait la technique diète. Et je vais t'expliquer comment j'ai eu ces, enfin, comment j'ai fait cette recette. Le caviar d'aubergine à l'iranienne, en général, on le fait d'une autre manière. On va le couper en deux. On va mettre pas mal d'huile dessus et on va le passer au four ou on va le griller. Mais en fait, l'aubergine absorbe énormément d'huile. Exactement. Donc là, je voulais quand même qu'on trouve une autre solution. Et moi, donc, je fais à manger pour mes enfants et donc je fais toujours des produits frais, je ne fais jamais les boîtes. Alors j'aimais bien faire de l'aubergine pour lui et je me suis dit, peut-être pour les enfants, il ne faut pas mettre trop de matière grasse. Et souvent, on fait des cuissons à l'eau. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée, je l'ai fait pour mon fils. Et ça, les cuisiniers vont peut-être m'insulter. Ils vont dire, non, ça, mais je vous jure, essayez. Tu remplis d'eau à moi, voilà, à mi-hauteur, tu mets de l'eau jusqu'au haut de l'aubergine et on va mettre à cuire comme ça. Okay. Et franchement, vous allez voir le résultat, il est super. C'est parfait. Donc, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit par rapport aux enfants. Plaisanterie à part, l'alimentation est très, très, très importante. Essayez d'apprendre à manger déjà et apprenez à manger. Habituez les enfants à manger comme il le faut. Quand on sait que beaucoup d'enfants aujourd'hui, ils viennent déjà à l'école, ils sont à jeun. C'est-à-dire ils n'ont même pas pris le petit déjeuner ou bien le petit déjeuner qu'ils ont pris, il est vraiment pas terrible. Donc l'alimentation, c'est aussi une question d'habitude. Tout ça, ça prend des petits. Donc si vous avez des enfants, vous avez une grande responsabilité par rapport à ça. C'est ni une question de coût, ni une question de temps. Sincèrement, une fois dans la semaine, vous achetez un légume par jour. Moi, j'aimais bien faire monoproduit, mettre vraiment l'aubergine. Bon, la tomate, c'est un complément, mais soit que de l'aubergine, soit que du navet, soit que de la carotte, pour que vraiment, ils puissent différencier les goûts. Et chaque jour, vous arrivez du bureau, vous mettez une casserole avec de l'eau, votre légume. Vous allez faire ce que vous avez à faire, un petit coup de blender, ça va aussi vite que mettre un pot au micro-ondes et au moins vous savez ce que vous mangez, franchement. Exactement. Donc voilà. Donc on va mettre de l'eau. Combien ? Jusqu'à mi-hauteur, parce qu'il ne faut pas non plus trop le en mettre. C'est juste pour que ça le ça fasse, faut juste pour que ça le cuise, c'est tout. Donc tu peux filmer. Voilà. Ouais. Voilà. Et ça, on va le mettre donc à cuire. Bon, ça dépend, là on a mis des grosses aubergines, donc on va le mettre à cuire à mon avis. Allez, on va dire un petit, pas très longtemps, un petit quart d'heure, forte intensité. D'accord. Et puis ensuite, je vais vous montrer la suite de la recette. Au passage, donc, on va servir ça avec des œufs mollets. C'est quoi ces œufs? Alors, les œufs mollets, en fait, donc vous voyez, c'est des, enfin, on a les œufs durs, en fait. Tu vois, quand tu cuis des œufs durs, l'œuf mollet, en fait, c'est quand le blanc est cuit, mais le jaune à l'intérieur, il est cru. Comment on appelle ça? Un œuf mollet. Un œuf mollet. Voilà. D'accord. Donc, un œuf mollet, en fait, donc pour vous dire, c'est 6 minutes de cuisson. Donc, on va pas le montrer, tout le monde sait cuire un œuf. Donc on met de l'eau à bouillir, on prend ses œufs, quand l'eau bout, on met ses œufs dans l'eau bouillante pendant 5 à 6 minutes selon la taille de l'œuf. Autre chose, prenez des œufs bio. Sincèrement, prenez pas tout en bio, il y a des légumes sauvages, il y a des choses qu'ils valent. Mais pour les œufs, c'est très important. Pas si vous voulez faire un beignet, un truc, mais si vous, par exemple, essayez un jour, cassez un œuf, faites un œuf au plat bio et non bio, vous allez voir la différence, comment c'est flagrant. Donc prenez vos œufs bio, faites des œufs mollets. Comme ça, après, on fera le reste. Exactement. On laisse cuire pendant un quart d'heure. Donc, notre riz, ça fait 25 minutes qu'il est là. Je suis sûr que tu n'as pas. Arrête de dire du. Non, mais ouais. Mais en plus, là, il est content parce que là, on va pouvoir se reposer un peu le temps que ça cuise. Comme ça, il est en sueur. Ouais. Ouais. On se repose un petit peu. On se repose un petit peu. Ok. Donc, là, le riz est cuit. Ouais, c'est bon. Le poulet est cuit. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, donc du coup, une fois que le poulet est cuit, l'idée en fait, c'est pour que vous vous embêtiez pas, vous le mettiez à cuire 2 heures avant de manger. Mais si vous l'avez fait la veille, parce que ça c'est possible, hein, ça ne bougera pas. Donc si vous l'avez fait la veille, l'idée c'est de le remettre à réchauffer une petite demi-heure en vapeur ou dans l'eau bouillante pour que ça reprenne la température à 70. Micro-ondes. C'est pas conseillé. Pas conseillé. Ok. Donc là, après, on enlève. Alors, donc on enlève, donc vous voyez. Donc en fait, ce que tu disais sur le sous-vide, c'est quoi l'avantage? C'est que regarde, il a cuit en compoté en fait. Hein. Il a compoté et comme il n'y avait pas d'air dedans, d'accord, toute la cuisson elle est restée dedans, enfin tout le jus de cuisson et s'est imprégné dans la chair. Ça sent et super là, bon. Ça sent bon, mais surtout ce qui est vraiment incroyable dans cette technique de cuisson, c'est que tu vas voir ton poulet, il est fondant quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une meilleure cuisson que ça. Okay. C'est le summum de la cuisson, tu vois. Okay, donc voilà, après tout simplement, on va l'enlever quoi du coffre. Ça c'est important comment on enlève du coup. Oui mais en fait c'est pas compliqué, c'est parce qu'en fait comme c'est cuit, il y a juste une petite technique, c'est que si on enlève les deux petits os qui sont derrière là, comme ça après on est tranquille, voilà, juste hop, ça, comme ça va être beaucoup plus simple, parce que ça, mine de rien, ce petit os là, il est vraiment très chiant.
Okay. Donc voilà, après tu enlèves ce, voilà, ça ou ça, et puis voilà, tu le. Hop, voilà. Tu le coupes en deux. Voilà, tu le coupes et tu peux même le faire à la main si tu veux. Voilà, tu enlèves le blanc. Hop. Voilà. Hop là, tu n'as même pas besoin de mettre le. Voilà. Donc après vous avez ce morceau, ce beau morceau. D'accord. Et puis moi je dis même, ouais, t'enlèves la peau. Et regarde, attends, franchement, Hassan, tu vas voir. C'est triste. Un jour, il faudrait que vous essayiez, parce que tu vas voir quand tu vas goûter, c'est, mais là, c'est, tu peux pas avoir une cuisson meilleure que celle-là. Regarde le blanc, comment il est. Et en fait, si tu l'avais pas fait sur le coffre, le blanc, il serait déformé. Là, tu as un vrai... Regarde, ça donne envie déjà, tu vois. Tu as un blanc, il est pas déformé, il est beau, et surtout, surtout, il est bon. C'est ça le plus important. Et puis là, je vais laisser parler ton art. Je te laisse dresser le riz au griot, que ce soit joli. Je te laisse faire, pour l'instant, je vais chercher la petite touche finale. Ah bah là, toute la responsabilité du monde est sur tes épaules. Là, il m'a demandé de faire un vrai boulot. Hein. Ah ouais, le dressage, c'est le plus important. Je vais te mettre une note après, hein. Attention. Commence à venir à l'heure déjà. Ah, toujours à l'heure. Parce qu'en fait, je veux garder... Voilà, c'est bon. Beau, ça, franchement. Tu vois, c'est tellement, les couleurs, elles sont vives, elles sont fraîches. T'as vraiment envie de goûter, mais sans vraiment toucher à l'assiette, quoi. Parce que, voilà, c'est... Les gens qui regardent, ils ont connu le riz alpine vinette, et là, ils vont voir le riz au griot qu'on a aussi. Mais bon, après, voilà, c'est un peu. Mais c'est vrai que le riz alpine vinette aussi, je sais pas si vous vous souvenez, c'est à la base, on le sucre un peu. Nous, pour pallier à ça, on avait mis avec de l'ananas. Mais bon, là, la confiture, on peut pas faire avec autre chose que du sucre. Donc après, on va finir juste avec la petite touche finale iranienne. En plus, j'ai envie de dire, les petites pistaches d'Iran. Ah, c'est la qu'on base. Va mettre par-dessus, comme ça, et qui va ramener cette petite touche de couleur. Et sincèrement, Hassan, je suis franchement bravo. Là, tu nous as fait un Picasso, là. Là, c'est... Non, mais la cuisine, ça doit être ça aussi, sincèrement. C'est vraiment très, très joli. Ouais, écoute, je suis ravi, moi aussi, je suis assez content du résultat. Là, c'est cuit. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors après, on le prend, on les goûte. On fait attention surtout. Ouais, surtout. Voilà. Hop là. Hop là. Voilà, parfait. Alors. Ok, donc. Donc une fois que c'est cuit, donc on les goûte bien. Et ensuite on récupère donc les. Des aubergines, de la tomate, un peu d'oignon, un peu de tout ce qu'il y a. Voilà. Voilà. Et ensuite, l'idée, ça va être de l'écraser en fait. Alors, vous pouvez aussi le faire au blender. Franchement, ça va plus vite et ça fait une vraie purée. Mais après, on peut aussi ne pas juste l'écraser pour qu'il y ait un peu de morceaux en fait. Parce que c'est un peu ça aussi le cadavre d'aubergine. On ne veut pas que ce soit complètement écrasé. Donc là, vous voyez, ça s'écrase facilement. Tac. Avec une fourchette, on écrase le tout. Et vous allez voir, c'est pas fini, car il va y avoir une autre étape. Donc okay. Après, on prend, et là ça va très très vite, on prend la même casserole qu'on a utilisée. Okay. Hop là. On la met sur le feu. Voilà. Donc, un petit peu d'huile d'olive. Un tout petit peu d'ail. Bon, après, un tout petit peu ou beaucoup, hein, ça dépend. D'accord, ça dépend ce que vous faites le soir. C'est ça, exactement. J'allais dire, moi, ça dépend ce que si vous aimez l'ail, mais chacun ses idées. Ouais. Un petit peu de concentré de tomate. Donc, on fait revenir l'ail avec le concentré de tomate et l'huile d'olive, un petit peu. Voilà. Parfait. Voilà, juste revenir, attention, faut surtout pas que ça colore. Hein. Et ensuite, on va y ajouter notre mélange. Voilà, alors, c'est exactement la même recette que le caviar d'aubergine, le mixeur à semi à l'iranienne, sauf que on a mis l'aubergine à cuire dans l'eau, pour qu'il n'y ait vraiment pas de matière grasse, parce que la matière grasse, on va la rajouter là. Si c'était à l'iranienne, il y avait la matière grasse au four, la matière grasse ici, etc. Franchement, le caviar d'aubergine à l'iranienne, c'est pas un plat diététique. Et là, en fait, on va le laisser compoter. Voilà. C'est quoi le temps de cuisson? Ouais, alors sincèrement, ça va être pas trop longtemps. Faut juste que ça compote, on va dire
faut le laisser à feu doux. On le laisse bien fort au début pour que ça saisisse. Et après, on le met à feu doux et faut le laisser cuire à l'heure. Tu quart d'heure. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Voilà, et là, on va laisser compoter tranquillement. On assaisonne. Ok. Avec un on petit met peu quoi, de... On met du sel. Oui, ouais. Un peu de sel, un peu de poivre. Tu peux nous faire un muscat ou... Ouais. Voilà. Super. Et puis voilà, bon, je te cache pas que si c'était moi et que Peyo et Essen ne sont pas dans les parages, j'aurais rajouté une bonne dose d'huile d'olive encore. Voilà. Mais là, c'est très bien aussi. Franchement, vous allez voir que ça, c'est déjà... Voilà. Vous voyez, ça commence à compoter en fait. Tout commence à compoter ensemble. Et ça, je te propose qu'on laisse que ça cuire. On va passer au dressage de l'entrée. D'accord. Et puis, je crois que c'est le moment que tu préfères, je crois. Le moment le plus attendu. Et le moment où tu es le plus envié. On va à la dégustation. Le plus envié et que Sam ne va pas goûter du tout. Ok, donc, dégustation. J'ai pensé à ça tout le temps. C'est vrai. Alors, tu m'as dit que c'est très important de comment ouvrir l'œuf. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu un show aussi. Là, l'œuf mollet, c'est un peu dur à faire. C'est bon à manger. L'idée, c'est que quand tu l'ouvres, en fait, il y a le jaune qui coule. Comme un fondant au chocolat. Comme un fondant, exactement. Exactement. D'ailleurs, ça a été, c'est de ça qu'ils se sont inspirés. D'accord, donc j'ai qu'une seule chance. T'as qu'une seule chance, toi aussi, Sam. T'as qu'une seule chance. Non, t'inquiète, je gère. Bon, c'est ça, nous, c'est pas trop. Est-ce que tu veux bien me montrer? Alors, je sais que tu tiens absolument à ça, donc sans vouloir te manquer de respect, je vais dégager ça. Ouais, mais c'est bon. Ok. Allez. Bon, bah bon appétit, monsieur. Pour. Voilà, allez hop. Vas-y, mets un coup de couteau, c'est bon. Et ouvre-le. Voilà, c'est pas beau ça. Eh bah oui, le coulant. Et ben voilà, et tu vois en fait c'est ce jaune d'œuf qui se mélange. Là tu vas kiffer, tu vois, là je suis content parce que c'est toujours une petite surprise l'œuf mollet. Et là sincèrement, tu vas te régaler mon ami. Ok, donc est-ce que là je mélange ou je mange comme ça? Ben non, écoute, là c'est chacun sa règle. Il y en a qui mélangent tout, il y en a qui mangent un gros œuf après l'aubergine. Il n'y a pas de règle, maintenant c'est toi comme tu sens. Moi je propose que tu manges un petit peu de blanc, un peu de jaune mélangé avec l'aubergine, quoi, voilà. Ok, donc voilà, je fais ça. Ah, ah voilà, là, ça c'est une belle cuillère, fais gaffe de ne pas te faire couler de jeune œuf, voilà. Je vais goûter aussi avec toi. Waouh. C'est incroyable. Franchement, j'ai pas vu ça dans ta menu. Alors, nous on l'a, mais on l'a à la manière iranienne. Ça veut dire qu'on a le caviar d'aubergine, mais il est fait bien... On va dire avec ce qu'il faut. Plus gras. Oui, bien plus gras. Mais par contre, nous on met pas d'œuf, c'est vrai. Parce que nous on met pas d'œuf parce que pour un souci de. Voilà, ça se garde mieux. Hein, l'œuf c'est un produit sensible, on a préféré de mettre sans œufs et les gens l'achètent. Et donc, mettre les œufs, pour la petite histoire, en Iran, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des œufs brouillés et ils le mettent par-dessus après. Vous pouvez le faire aussi en omelette, voilà. Et même certains, parfois, ils font des œufs au plat. Donc, c'est-à-dire, il y a des clients qui te prennent cette entrée en emporté et chez eux, ils rajoutent l'œuf. Ils rajoutent l'œuf. Exactement. L'œuf, pardon. Sam ? Ah, on va en foutre partout, vas-y, je prendrai après. Bon, ben voilà, super. C'est vraiment très, très bon. Sam, c'est incroyable. On sent tout. Bah, c'est ça en fait le but. On sent l'oignon, on sent la tomate, l'aubergine, l'ail. C'est incroyable. Franchement, c'est ouais, très 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 bon. J'adore. Et puis, t'as vu, c'était pas si compliqué que ça. Franchement. Ah, bon, ok, l'œuf mollet, ça c'était pour la petite technique, pour faire. Mais vous faites ça avec un petit œuf au plat. L'aubergine, c'est simple. C'est cuit à l'eau, ça. Et puis, t'as vu, quand même, tu le sens. Parce qu'en fait, comme on va le recuire derrière avec un peu d'huile d'olive et on va le retravailler, c'est pour ça que c'est pas trop grave de le cuire à l'eau. L'eau va être absorbée, le goût sera là et c'est ultra diète ça. Ça veut dire que ça, tu peux le manger tous les jours. Ça veut dire que tu vas pas prendre un gramme et pour le sport, je pense, je sais pas, après l'aubergine, je pense que c'est un bon produit pour le sport. Bien sûr, tout est bon. Et tout ce que la nature nous a offert comme aliment, c'est bon. Il faut profiter, il faut manger et surtout, comme tu as dit, il faut manger des bons produits. Parfois, dépenser quelques euros ou même quelques centimes, c'est plus important que dépenser l'argent parfois sur autre chose. C'est sûr. Par contre, là, Sam, je sais pas si t'en restera, je suis désolé. Je sais pas si t'en restera. Ah, moi. Il n'en veut pas, lui. Lui, il ira en. Gardez mon petit fond, quand même. Il est en train de. Mais je te jure. Moi, je suis à la place des abonnés. Eux, ils regardent la vidéo, ils peuvent pas manger. Moi, je suis pareil, là. Mais je te promets, j'arrive pas à m'arrêter. Ouais, c'est trop bon. Super. Bah, écoute, c'est très bon. Génial.
laisse de la place pour le plat suivant. Alors, ok, ça c'est pour ça. Je mets ça de côté. Hein. Yes. Il y a des gens qui pensent à moi. Alors, okay. Bon, maintenant, Ethan, là, pour le coup, je suis sûr de ma cuisson sur le poulet. Là, tu vas voir ce poulet. Je pense, en fait, sincèrement, avec la cuisson basse température, tu ne peux pas faire mieux cuit, en fait. C'est-à-dire, c'est le summum de la cuisson. C'est-à-dire que c'est moelleux. C'est-à-dire, tu vois, tu peux même l'enlever. En fait, j'ai fait exprès de le couper comme ça pour voir vraiment si c'est bien cuit. Ça se voit, moi, je te le dis. Et là, on voit que c'est vraiment très, très bien cuit. Et en plus, tu vas voir les saveurs. Il a cuit sous vide. Et puis avec le riz au griotte, mais ça, le riz au griotte, on en fait, moi, d'abord, j'aime bien manger le riz à part. Pour voir c'est quoi le goût. Ensuite, le poulet il est très bien cuit. Et je me prends pour, comment il s'appelle, Philippe Etchebest, c'est ça? On dirait que voilà, je suis là pour juger ton travail. Bon, tu es éliminé peut-être. Moi, c'est les gens qui me font l'honneur de venir tous les jours ici, qui jugent mon travail tous les... Et c'est ça, c'est ma plus grande fierté. Mais personne n'a la prétention de juger ton travail. Mais en tout cas, nous, comme tout le monde, je pense, la remise en question, c'est ce qui fait qu'on avance tout le temps. Tu lui Le New Yorkais. Le New Yorkais. Le New Yorkais. De casa. Ok. Donc, voilà. Là, j'ai goûté le riz à part. Ouais. Excellent. Vraiment, tu sens que c'est frais. Les petits pistaches, tu les sens vraiment, c'est croustillant. Le poulet il est très très bien cuit et là le mélange c'est... Ouais, mais là regarde, t'as la griotte, t'as le safran, t'as le citron, t'as la pistache et là c'est l'Iran, t'es en train de te manger l'Iran dans l'assiette. Et en plus je vais te dire un truc, c'est un peu le drapeau de l'Iran à mon avis. Il y a juste un peu plus, mais là il y a le rouge presque de la griotte, il y a le vert, il y a le jaune. Ça, c'était le drapeau de l'Iran. Enfin, il y a 30 ans, en tout cas. Ok. Mais moi, je pense qu'en fait, ce qui a vraiment donné du goût à ce plat, ce qui a vraiment embelli ce plat, ce qui a vraiment donné un aspect complètement différent, ce qui fait de ce plat un plat extraordinaire, c'est le citron que j'ai coupé. Ouais. Et qui vient vraiment apporter sa... La touche NFC, ça. Ça touche c'est vrai que NFC. Je pense que s'il n'avait pas mis ce citron... Ça aurait été complètement différent. J'avais raté mon plat. Sincèrement. Ouais, heureusement, j'étais là. Vraiment, mais ça, merci beaucoup. Tu m'as... Il a sauvé le restaurant, là. D'ailleurs, je vais te dire aussi, sur l'entrée, les trois, s'il n'avait pas mis la troisième... À la troisième, c'est mort. Branche de ciboulette, c'était mort. Quand j'ai vu les deux, j'ai failli couper la caméra. Franchement, ça, je te... Vraiment... Écoute ça, c'est vraiment extraordinaire. Encore une fois, la recette que tu as faite, je vous invite vraiment à reproduire ce plat chez vous. Régalez-vous, c'est très diététique. Voilà, à part si vous êtes dans des diètes extrêmes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, vous pouvez vous permettre ce plat même régulièrement. Donc, les gens qui vont reproduire ce plat chez eux, comment ça se passe? Ben voilà, comme on avait fait la dernière fois, ils reproduisent avec les moyens du bord, on en a bien conscience, et ils envoient la photo donc à Essonne. En fait, ils envoient la photo sur leur page, ouais, et ils vont taguer la maison Mazet. Exactement. Et donc, nous, on va voir la photo, on va en recevoir plusieurs, et on jugera la plus belle photo, du moins celle qui se rapproche le plus pour pouvoir... Et cette personne-là aura un repas pour deux. Donc, amasée, offerte. Parfait. Donc, vous reproduisez le même plat chez vous. Comme on peut pas, enfin, comme Sam ne peut pas goûter votre plat, donc ça va être l'aspect visuel, esthétique de votre plat, comment vous avez dressé votre assiette sera jugé. Ensuite, il choisira l'assiette qu'il préfère et il offrira un repas pour deux au restaurant Mazé selon votre disponibilité. Ouais, exactement. Après, vous enverrez un mail, on s'arrangera, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y avait le vainqueur du Zège Polo qui avait fait... Alors, lorsqu'on avait fait ça sur le plat précédent, il y avait plein de beaux plats. Sincèrement, c'était très dur à choisir. Donc, je présente mes excuses à tous ceux que je n'ai pas choisi. Mais c'est vrai que... Il y avait vraiment un plat qui était... La personne que tu as choisi, c'était extraordinaire. Ok, merci Sam. Bah, merci à toi. Pour ce plat. Et puis, on vous dit à très très bientôt pour une nouvelle recette. Mais on ne va pas faire que des recettes diététiques. Voilà, on va faire un peu pour les gens aussi, parce que je pense qu'il y a plein de gens aussi qui te regardent, qui veulent aussi des plats vraiment gourmands. Et là, sincèrement, on va faire des trucs qui vont vraiment faire kiffer. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.